Si le CRV est très réputé à l'échelle internationale, il faut bien avouer qu'il mène une carrière très discrète chez nous. En 2022, il s'en vendait moins de 800 exemplaires, mais la marque est bien décidée à revenir sur notre territoire en force avec ce sixième opus. Vous allez voir qu'outre l'esthétique, il y a beaucoup de changements. C'est parti. Mais avant de commencer cet essai, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, à vous abonner si vous les aimez toutes et à cocher la cloche des notifications si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer. Alors esthétiquement, Honda nous avait toujours habitués à des lignes assez torturées, très originales. Là, le CR-V a décidé de revenir à des lignes beaucoup plus consensuelles pour plaire à un public plus large. On a une calandre simplifiée, discrète et des feux qui s'affinent. Et enfin, le profil est typique d'un SUV familial. Alors techniquement, le CR-V fera uniquement appel à des motorisations hybrides. Il recevra notamment le groupe motopropulseur du précédent modèle, auto-rechargeable, et il y aura une inédite version rechargeable censée assurer 80 km environ en tout électrique. Ça, c'est une version qui fera l'objet d'un essai très prochainement dans Caradisiaque. Pour l'instant, on a la version classique. Avant d'en prendre le volant, on va tout de suite parler des dimensions, car le CR-V grandit encore de 10 cm. Maintenant, il atteint 4,70 m, dont 4 cm au niveau de l'empattement. Ça, c'est évidemment pour gagner en espace intérieur. Mais de fait, il change de catégorie. On n'est plus sur des modèles compacts tels que le Kia Sportage, le Hyundai Tucson ou le Nissan Qashqai. Là, on est plus grand encore que le Toyota RAV4 et on atteint les dimensions du Nissan X-Trail. Alors, d'un SUV de 4,70 m de long, on attend évidemment un volume de chargement digne d'une grande famille. Et vous allez voir qu'on n'est pas déçu parce que le CR-V, dans cette version hybride classique, propose quand même 587 décimètres cubes. Et vous allez voir qu'il recèle un petit secret, c'est qu'il dispose de banquettes coulissantes qui permettent encore de gagner du volume. On sera largement au-delà des 600 litres. Alors, l'un des gros points forts du CR-V, c'est bien entendu son sens de l'accueil. Vous avez vu hein, déjà l'ouverture des portes à 90 degrés qui facilite grandement l'accès. Puis surtout, on a beaucoup d'espace au niveau des jambes, ce qui permet évidemment de bien s'étendre. Et surtout, on peut profiter effectivement de la banquette coulissante. Je peux gagner du volume tout en gardant un espace très correct pour voyager. Là voilà, je suis derrière ma position de conduite, je suis encore tout à fait à l'aise et j'ai gagné pas mal de volume. J'ai également de la place pour les pieds. Au centre, le plancher est assez plat pour la place du milieu. Le dossier est un petit peu dur, mais l'assise est plutôt confortable également au milieu. Et enfin, le CR-V dispose d'une banquette inclinable, ce qui permet de se reposer sur les longs trajets. Alors à l'image de l'extérieur, l'intérieur est assez consensuel. On a une planche de bord simplifiée, rectiligne, plutôt épurée. Le système multimédia grimpe d'un niveau pour être vraiment à hauteur des yeux, tandis que les ouïes d'aération descendent d'un étage. Voilà, on est plutôt bien installé. La position de conduite est très bien. On a un bon maintien au niveau des sièges qui sont en cuir véritable, s'il vous plaît. Et puis en termes de sérieux de fabrication, hein, on est dans une Honda, hein, donc tout est solidement fixé, solidement arrimé. On a des jolis matériaux sur les parties hautes. C'est toutefois pas très chic, notamment comparé aux versions premium, hein, parce que le Honda CR-V vise également une clientèle habituée au modèle premium. Ça manque un petit peu de raffinement. Et enfin, les écrans sont très basiques en termes d'animation et de personnalité d'affichage. Voilà, c'est très classique. Néanmoins, ça reste très facile et à utiliser. Voilà, c'est la marque de fabrique Honda. Alors, qu'est-ce qui donne ce CR-V hybride volant en main? Ben, on a une mécanique plutôt agréable, très douce à l'usage. En fait, le moteur thermique n'entraîne que très rarement les roues. C'est le moteur électrique qui s'en charge. Le moteur thermique, lui, sert la plupart du temps de générateur. Donc, on a un véhicule hyper doux à l'usage. Il n'y a pas de changement de vitesse, hein, pas de boîte de vitesse. Le moteur thermique peut entraîner les roues très occasionnellement. Il y a deux rapports fixes qui sont dédiés à cela. Un rapport pour les très basses vitesses, à vitesse constante, vitesse stabilisée. Et ensuite, au-dessus de 100 km/h jusqu'à la vitesse maximum, le moteur thermique peut entraîner les roues également via un pignon fixe. Mais la plupart du temps, voilà, on est constamment sur l'énergie électrique. Ça, c'est très agréable. En plus, on évolue très souvent moteur thermique coupé, donc dans un silence total. C'est très agréable. Autre point très important, autre qualité du CR-V, c'est son niveau de confort. On a un très judicieux compromis amortissement maintien de caisse. La voiture globalement filtre toutes les irrégularités et sans pour autant se vautrer dans les virages.
Par ailleurs, on a un comportement assez dynamique avec une direction typiquement Honda, très précise. Le seul bémol, c'est que la voiture est quand même assez lourde et ça manque un petit peu de train avant dans les passages serrés. Mais globalement, la voiture est très sûre. Alors ce système d'hybridation, il est plutôt efficient. Là, on est sur des routes très vallonnées, routes autoroutes très vallonnées. Et pourtant, on est gratifié d'une consommation d'environ 6,7 litres au 100 km, ce qui est plutôt pas mal pour un mastodonte de 4,70 m de long. Vous l'aurez compris, le CR-V est un véhicule familial accompli. Il est spacieux, plutôt bien construit et en plus avec cette motorisation hybride, il est à la fois très doué à l'usage et efficient. Le seul problème, c'est son tarif parce qu'en version d'entrée de gamme, il est à 54 980 euros et ça monte encore de 3000 euros si on veut la transmission à 4 roues motrices. Pourquoi il est aussi cher? Parce qu'en fait, il mise beaucoup sur l'équipement. Dès cette version, on dispose d'une sellerie cuir, des sièges électriques, du toit ouvrant panoramique. En fait, voilà, comparé à un Nissan X-Trail ou au Toyota RAV4, il met tout de suite l'accent sur les équipements, mais forcément, ça se paye et toutes les bourses n'auront pas les moyens de se l'offrir.